Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Question du jour, une rubrique qu'on va chaque fois décortiquer ensemble et pour essayer de voir quelques questions dont vous avez posé. Le numéro est là, c'est le plus 243 82 24 888 55. Toutes questions concernant l'ordinateur, vos équipements informatiques, nous sommes là pour répondre à ces questions. Par jour, on va décortiquer une question, on va répondre à cette question. Votre ordinateur, que ce soit un problème physique, que ce soit un problème logique, que ce soit juste que vous avez besoin, de comprendre comment fonctionne votre ordinateur, ou soit vous avez tout simplement besoin d'avoir des nouvelles connaissances par rapport à l'outil ordinateur, la chaîne Baraka Mkombozi est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. À chaque fois que vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Dans cette rubrique, nous allons trouver des réponses aux questions que les amis ont posées par rapport à l'outil principal, l'ordinateur. Il y a des problèmes que nous rencontrons tous les jours sur notre ordinateur. Parfois, les amis, il y a l'ordinateur à bloquer, les systèmes ne tournent pas, il y a des pilotes qui ne répondent pas normalement, il y a des claviers qui s'est bloqué, il y a la souris qui a fait ceci ou cela, il y a un problème avec l'écran, il y a un problème avec... Donc, tout le problème, que ce soit physique ou matériel, la chaîne Baraka Mkombozi est là pour répondre à cette question. Tout ce que vous avez à faire, la premièrement, c'est commencer par t'abonner, nous envoyer tes préoccupations par WhatsApp, ou soit nous écrire à commentaire. Ainsi, nous allons essayer de développer ensemble, avec le concours des experts, avec le concours des IT spécialisés dans le domaine de l'informatique et ceux qui maîtrisent cet outil ordinateur, on va trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Parfois, ce sont des petites choses qui vous feront gagner un max de temps au lieu d'aller chercher un technicien en dehors. Nous remercions déjà notre ami qui venait de nous envoyer son message par WhatsApp. Nous allons essayer d'y répondre maintenant. Allons-y. Bonjour, ingénieur Mkombozi. Bon, c'est Balang. Hein? J'ai un problème avec mon ordinateur parce que le problème est que au niveau activation, il y a Windows ainsi que il y a Office 2019. Parce que j'avais installé KMS 2015, mais à chaque fois, ceux qui n'ont pas activé Windows 2010, mais ce qui est activé et connu bien que c'est activé, mais ce qui machine est un ami pour moi, mais ils ont mis les sous ça qu'on a activé et c'est la activation. On a évité ce que j'ai dit parce que message et obimarar a toujours il y a votre Windows n'est pas encore activé ainsi que Office 2019. N'habitez ce qui je peux faire comment si vous pouvez m'aider, vraiment je compte sur vous et aussi passe aussi une excellente journée. Alors bonjour chers amis, ici nous sommes sur l'écran de notre ami Balanga qui venait de nous écrire par rapport à son problème d'activation sur Windows, n'arrivait pas à s'activer. J'étais à noter juste après ça que j'utilise le logiciel AnyDesk, vu que nous ne sommes pas au même endroit avec notre ami, mais nous sommes dans l'obligation de lui trouver une solution. Là, je suis sur son écran d'ordinateur, alors AnyDesk est là déjà connecté et j'ai pris la main sur son ordinateur. Je vais essayer vite fait délacer le KMS qui est un micro logiciel d'activation de Windows et dans les cadres où en urgence tu n'as pas de licence ou il n'y a pas encore le moyen nécessaire pour le faire.
C'est comme ça, nous allons lasser le KMS et essayer d'exécuter cette fonction d'activation de Windows. Comme notre ami nous l'a mentionné, il n'arrivait pas à le faire. On va essayer de l'aider comme vous êtes en train de le voir là à l'écran. Nous allons exécuter maintenant, exécuter notre KMS. Je tiens à signaler si vous avez besoin de licences authentiques ou de licences OIM, nous en avons. Vous pouvez toujours nous contacter soit par notre numéro WhatsApp, soit vous nous écrivez en dessous de cette vidéo un commentaire. Et nous n'hésiterons pas à vous l'activer, peu importe où vous soyez en RDC, où vous soyez en Afrique, dans n'importe quel pays au monde. Grâce à notre logiciel de connexion à distance, contrôle à distance, nous pouvons vous venir en aide. Et si vous activez cette licence à un coût imbattable sur le marché. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, comme je vous l'avais dit précédemment. Voilà, notre ami vient de trouver une solution à son problème comme prévu. Donc, nous sommes là vraiment pour vous aider. Nous sommes là vraiment pour essayer d'apprendre ensemble avec vous dans ce domaine si vaste de l'informatique. Voilà, on va vérifier exactement si c'est activé. À passer par propriété comme d'habitude et voilà l'ordinateur est activé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire comme notre frère et ami. J'espère que cette vidéo, cette rubrique question du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et pour aujourd'hui, nous vous disons à très bientôt sur la chaîne.